Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui on va parler des graisses et du cholestérol. Vous savez le cholestérol, ce truc démoniaque qu'on trouve un peu partout et qui peut vous faire mourir. Enfin ça c'est probablement ce que vous pensez non Et si je vous disais qu'en réalité le cholestérol est plutôt bon pour vos cellules et qu'il peut en améliorer la fluidité, est-ce que vous me croyez par extension, on va en réalité parler dans cette vidéo des bonnes et des mauvaises graisses et de la façon dont le cœur humain utilise, détruit et stocke les graisses. Attention, super important, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo sans avoir au préalable regardé la vidéo sur la cellule humaine. Je vous la place ici dans le coin de l'écran. J'y ferai de nombreuses références et je pars du principe dans cette vidéo que vous la connaissez déjà. Allez, un petit peu de travail, allez regarder ça et puis revenez ici. C'est bon, c'est fait on continue. Cette vidéo sera également un peu plus longue que d'habitude et aussi un peu plus compliquée. Elle est donc calculée comme étant de niveau 2 et si vous n'avez aucune notion de chimie ou de biochimie, je vous conseille de la regarder calmement et éventuellement plusieurs fois pour bien en retirer toutes les informations. Bon, tout est accessible à tout le monde évidemment, c'est le but de ces vidéos, mais il est possible que vous deviez regarder plusieurs fois pour bien tout comprendre. C'est pas grave. Allez, tu es prêt C'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Bon, commençons déjà par le début. Parlons des différents types de graisses. Les différents lipides qui circulent dans le corps humain peuvent être caractérisés par leur solubilité, c'est-à-dire leur capacité à se dissoudre dans l'eau. Comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la cellule humaine, les molécules peuvent souvent se dissoudre soit dans l'eau, soit dans l'huile. En règle générale, les lipides ne se dissolvent pas dans l'eau, mais bien dans des substances comme l'alcool par exemple. Les lipides sont des formes classiquement utilisées par les organismes pour stocker de l'énergie. Ils représentent en réalité 98% des réserves d'énergie de l'organisme. Mais comme ils repoussent l'eau, ils sont également utilisés dans la cellule animale pour séparer l'intérieur des cellules de l'extérieur de celle-ci. Une autre façon de classifier les lipides se fait en fonction de leur structure. Si on fait comme ça, on peut distinguer les lipides simples et les lipides complexes. Les lipides simples ont, comme leur nom l'indique, une structure plutôt simple. Ils sont formés d'un acide gras et d'une molécule alcool. Dans un acide gras, on peut voir une chaîne hydrogénocarbonée, donc formée de carbone et d'hydrogène, et une tête formée d'un groupement acide carboxylique, COOH. Vous comprenez déjà ainsi le nom de ces molécules, les acides gras. Une chaîne grasse et une tête acide, ça forme un acide gras. Petite particularité intéressante, la chaîne hydrogénocarbonée des acides gras naturels possède toujours un nombre pair d'atomes de carbone. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les liaisons entre les atomes de carbone de la chaîne peuvent être simples ou doubles. Chaque atome de carbone peut se lier à quatre molécules. Lorsque toutes les liaisons sont simples, chaque molécule de carbone est connectée à deux atomes de carbone et deux atomes d'hydrogène, et on dit que l'acide gras est saturé d'hydrogène. On appelle cet acide gras un acide gras saturé. Lorsque deux atomes de carbone sont liés par une double liaison, ils ne sont chacun liés qu'à un atome d'hydrogène, et ils sont donc dits insaturés. S'il existe plusieurs doubles liaisons sur l'acide gras, on dit qu'il est polyinsaturé. Les acides gras d'origine animale sont très souvent saturés, alors que les acides gras d'origine végétale sont très souvent insaturés, voire polyinsaturés. Cette insaturation des molécules leur confère parfois une plus grande solubilité et un point de fusion plus bas. En réalité, la double liaison provoque parfois une angulation dans la molécule. Une double liaison qui provoque un angle s'appelle une liaison cis, et une double liaison qui ne provoque pas d'angulation s'appelle une liaison trans. Cette angulation augmentera donc la fluidité des molécules. Une huile est composée des mêmes types de molécules qu'une graisse, comme le beurre par exemple, mais elle est liquide à température ambiante car elle contient beaucoup plus d'acides gras insaturés. Cette insaturation diminue donc la rigidité des molécules et vous pouvez donc savoir simplement quel produit sera le meilleur pour vous selon sa liquidité en température ambiante. Et avant de continuer, une petite parenthèse. Vous avez forcément déjà entendu parler des acides gras oméga 3, oméga 6 ou oméga 9. Eh bien le signe oméga désigne simplement l'atome de carbone sur lequel se trouve la double liaison en partant du bout de la chaîne. Un acide gras oméga 3 aura donc une double liaison sur le troisième carbone en partant du bout de la chaîne. Enfin, pour former un lipide simple, il faut également une molécule alcool. Une molécule alcool, ce n'est pas une molécule d'alcool comme on en trouve dans le commerce. C'est le nom d'un groupement que l'on trouve au niveau moléculaire, un groupement OH. L'alcool le plus simple est le glycérol que vous pouvez voir sur ce schéma. Lorsqu'on groupe une molécule de glycérol avec trois molécules d'acide gras, on obtient une molécule qu'on appelle un triglycéride. Ces molécules ont une forme de E. Je suis sûr que vous avez déjà dû entendre ce terme. Les triglycérides, on les dose régulièrement dans une prise de sang classique, mais on en parlera un peu plus tard. Le tissu graisseux du corps humain contient des triglycérides. C'est la forme de stockage la plus communément utilisée. Lorsque le corps utilise des triglycérides pour produire de l'énergie, les trois acides gras sont libérés du glycérol pour être utilisés dans les tissus qui produisent de l'énergie. On nous en parlerons dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. Enfin, les lipides complexes portent ce nom car ils comportent deux types de constituants ou plus. Par exemple, ceux qui contiennent de l'acide phosphorique sont appelés des phospholipides. Et ces phospholipides, lorsqu'ils se positionnent en double couche, forment la membrane cellulaire. Et oui, on revient à la vidéo. Donc, pour rappel, comme expliqué dans la vidéo sur la cellule humaine, les phospholipides se dissolvent dans l'eau par leur tête hydrophile et dans l'huile par leur queue hydrophobe. Ainsi, ils peuvent facilement délimiter l'intérieur de l'extérieur de la cellule, et oui, c'est aussi simple que ça. Les stéroïdes sont des lipides qui ont une structure commune, composée de trois anneaux de six atomes de carbone et un anneau de cinq atomes de carbone. Vous pouvez en voir un exemple sur ce schéma. Ce qui différencie les différents stéroïdes, ce sont les différentes molécules qui s'accrochent sur ces anneaux de carbone. Le cholestérol, enfin, est un stéroïde également, mais aussi un alcool. C'est le plus abondant des stéroïdes du corps humain. On le retrouve par exemple dans la membrane cellulaire, où il permet d'augmenter la fluidité de celle-ci. Mais c'est également la molécule qui permet la production des sels biliaires, des hormones sexuelles et d'autres hormones créées par la glande surrénale. Vous pouvez voir la structure du cholestérol sur ce schéma. Bon, je vous expliquais que les triglycérides sont la forme utilisée par le corps humain pour le stockage des graisses. Mais avant d'être stockées, ces graisses, elles doivent circuler. Et oui, depuis votre assiette jusqu'à vos hanches, il y a un petit peu de chemin quand même. En Europe, la ration alimentaire contient en général entre 60 et 150 grammes de lipides par jour et est composée à 80% de triglycérides, un peu de phospholipides et de cholestérol. Le début de la digestion des triglycérides commence dans l'estomac avec l'action de la lipase gastrique. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'estomac. Dans l'estomac, 20 à 30% des triglycérides sont transformés en acides gras et en glycérol. On peut dire que les chaînes d'acides gras sont progressivement détachées par la lipase gastrique. Le bol alimentaire est ensuite libéré dans le diodénum, la première partie de l'intestin grêle, où la lipase pancréatique va produire son action. Grâce à l'action de la lipase pancréatique, le taux d'acides gras libérés augmente, car les acides gras sont détachés de plus en plus, et on retrouve également des monoacides glycérols, donc des molécules de glycérol sur lesquelles il n'y a plus qu'un seul acide gras attaché. Les phospholipides, quant à eux, sont digérés uniquement dans l'intestin grêle grâce à une enzyme pancréatique que l'on appelle phospholipase A2. Ils sont ensuite absorbés par les cellules de l'intestin grêle. Quant au cholestérol, il est également attaqué par une enzyme pancréatique que l'on appelle cholestérol estérase pancréatique. Ensuite, il est également absorbé par les cellules de l'intestin grêle. Enfin, les sels biliaires, dont j'ai parlé dans la vidéo sur le foie, sont primordiaux pour permettre aux graisses de former des micelles, des microbilles de lipides, qui sont alors absorbées telles qu'elles par les cellules de l'intestin grêle. Une fois ces petites billes de lipides au contact des cellules de l'intestin grêle, elles y diffusent tout simplement par diffusion passive. Enfin, sauf pour le cholestérol, qui lui est absorbé par un processus qui utilise de l'énergie avant d'être relargué dans le cytoplasme de la cellule. Après leur absorption, les lipides migrent à l'intérieur de la cellule vers le réticulum endoplasmique. Dans les membranes du réticulum, les triglycérides sont reformés à partir des monoacyles et glycérols et des acides gras libérés par les lipases rencontrées. Et enfin, les molécules lipidiques reformées sont ensuite assemblées avec des protéines pour former des lipoprotéines. On retrouve principalement deux types de lipoprotéines qui sont formées à ce moment. Les kilomicrons, qui sont de volumineuses structures de 150 à 500 nanomètres de diamètre et qui contiennent 95% de triglycérides, et les VLDL, pour Very Low Density Lipoprotéines, ou lipoprotéines de très faible densité, qui sont beaucoup plus petites, de 30 à 80 nanomètres, et qui contiennent 60% de triglycérides, 15% de cholestérol, 15% de phospholipides et 10% de protéines. Les VLDL et les kilomicrons migrent ensuite vers l'appareil de Golgi et sont envoyés en dehors de la cellule. À ce moment-là, ils se séparent. Les VLDL sont envoyés dans la veine porte et rejoignent le foie. Quant aux kilomicrons, qui sont trop gros, ils pénètrent par le système lymphatique et rejoignent la circulation générale. Tiens, ça me fait penser, j'ai jamais parlé du système lymphatique sur cette chaîne. Ça vous tenterait J'attends vos commentaires dans la zone ci-dessous. Une fois dans la circulation, les kilomicrons ont deux destinations principales les muscles, où ils sont utilisés pour produire de l'énergie, et les adipocytes, ou cellules graisseuses, où ils sont stockés en attendant leur consommation par les muscles. Ou pas, d'ailleurs. Les VLDL suivent à peu près le même trajet. Une fois parvenus via la circulation jusqu'aux adipocytes, ils y relarguent une partie de leur triglycérides pour être stockés sous forme d'énergie, ou ils en donnent une partie aux muscles. Après avoir déposé une partie de leur triglycérides, les VLDL deviennent des LDL. Donc on passe de lipoprotéines de très faible densité à des lipoprotéines de faible densité. Vous comprendrez le pourquoi un petit peu plus tard. Les LDL contiennent 25% de protéines, 5% de triglycérides, 20% de phospholipides et 50% de cholestérol. Leur rôle est de transporter dans la circulation sanguine le cholestérol afin qu'il soit utilisé par les cellules partout dans le corps pour réparer les membranes cellulaires par exemple ou pour participer à la synthèse des hormones stéroïdiennes et des cellules biliaires. Et oui, la plupart des hormones stéroïdiennes sont fabriquées à partir du cholestérol comme matériel de base. Allez, plus si méchant le cholestérol, hein Les LDL possèdent une protéine particulière que l'on surnomme apoprotéine B100. Cette protéine, c'est une forme de clé. Elle est reconnue par les récepteurs cellulaires au LDL. Ce récepteur se trouve donc sur la membrane cellulaire, et une fois la clé captée, le LDL est capté pour rentrer dans la cellule et y libérer l'intégralité de son contenu. Et tout ça est régulé bien entendu. Une fois que la cellule possède suffisamment de cholestérol pour son fonctionnement, elle arrête de synthétiser des récepteurs au LDL pour ne pas capter d'autres LDL et se surcharger en cholestérol. Tout ça est régulé grâce à l'ADN à l'intérieur du noyau cellulaire. Enfin, il existe également des HDL ou lipoprotéines de haute densité qui contiennent 40 à 45% de protéines, 5 à 10% de triglycérides, 30% de phospholipides et 20% de cholestérol. Le rôle de ces lipoprotéines sanguines est de reprendre l'excès de cholestérol qui est présent dans les cellules et de le transporter jusqu'au foie afin de faciliter son élimination. Voilà, on a terminé le chapitre sur le transport des graisses depuis votre assiette jusqu'à votre sang. Mais comme vous le remarquez probablement, je n'ai pas encore parlé dans ces chapitres de bonnes et de mauvaises graisses, de bons et de mauvais cholestérol. Eh bien, restez avec moi car à présent, on va parler de tous ces termes. Oh. Bon j'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes les explications que j'ai dû donner dans les chapitres précédents, mais tout ça était diablement important pour enfin aborder la question qui vous taraude. Quelles sont les bonnes et les mauvaises graisses Si vous avez déjà regardé une prise de sang, vous avez peut-être déjà remarqué que quatre paramètres sont principalement mesurés. Le LDL cholestérol, le HDL cholestérol, les triglycérides et le cholestérol total. Bon, vous l'aurez compris, le cholestérol total correspond approximativement à la somme du LDL cholestérol et du HDL cholestérol. Les triglycérides, on en a parlé dans les chapitres précédents, ce sont principalement les VLDL. Et c'est donc le cholestérol qui est mesuré dans une prise de sang. Et oui, avec les appareils de biologie clinique dont nous disposons à l'heure actuelle, nous sommes capables de faire la distinction entre le cholestérol qui se trouve dans les LDL et le cholestérol qui se trouve dans les HDL. Le LDL est qualifié de mauvais cholestérol. Pourquoi et bien parce que les LDL sont des structures protéiques de transport qui permettent de transporter le cholestérol à l'intérieur des cellules partout dans le corps humain. Mais lorsque les cellules ne peuvent plus recevoir de cholestérol, les LDL vont alors déposer leur cholestérol à l'intérieur et autour des fibres musculaires lisses des artères, où il va former des plaques d'athérosclérose. Ces plaques vont provoquer un rétrécissement des vaisseaux et au fur et à mesure favoriser les risques de maladies cardiaques ou vasculaires. Mais ce mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, est distribué de façon totalement inégale dans la population. En effet, sa circulation dans le sang sera dépendante de l'alimentation, bien entendu, mais également de particularités génétiques. Certaines personnes ne sont en effet pas capables de produire suffisamment de récepteurs au LDL cholestérol, et malgré une alimentation hyper calibrée et variée, ils auront toujours plus de LDL cholestérol qui circule dans leur sang par rapport à une autre population qui a une alimentation similaire. Ces personnes sont donc plus à risque que d'autres pour des raisons génétiques. Elles devront donc travailler absolument sur tous leurs autres facteurs de risque, comme par exemple la sédentarité et bien entendu le tabagisme. Le HDL est quant à lui qualifié de bon cholestérol. Les HDL, pour rappel, permettent d'extraire des cellules le de cholestérol en excès et de le détruire via le foie. En agissant ainsi, ces HDL permettent de diminuer le risque de dépôt de cholestérol dans les vaisseaux sanguins et sont donc associés à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. En gros, plus il y a de HDL cholestérol dans votre sang, mieux c'est. Bon, j'éviterai dans cette vidéo de vous donner des valeurs des chiffres de cholestérol à essayer d'atteindre, car en réalité, ces valeurs sont variables d'une personne à l'autre en fonction de votre situation médicale, de vos antécédents et bien entendu de votre génétique. Si vous voulez connaître votre propre taux de cholestérol ou savoir ce que vous devez faire pour l'améliorer, n'hésitez pas à en parler avec votre propre médecin traitant. J'espère que grâce à ces explications, vous avez mieux compris l'origine et le fonctionnement des graisses corporelles. Mais une question reste à poser cependant. Comment faire diminuer ce taux de graisse corporelle je ne parlerai pas dans cette vidéo des médicaments comme les statines par exemple qui sont régulièrement utilisés pour ça et dont on parle souvent de les actualités car je prépare pour très bientôt une capsule flash dédiée aux statines restez connectés sur la chaîne pour en profiter et si vous voulez être sûr de ne pas la rater eh bien pourquoi ne pas vous abonner c'est gratuit et moi ça m'aide à développer la chaîne donc n'hésitez pas cliquez sur le bouton ci-dessous et si vous voulez m'aider encore plus activez la cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo donc si on exclut les médicaments, pour faire diminuer votre taux de graisse corporelle et de cholestérol, il n'existe en réalité que deux méthodes, l'alimentation et l'activité physique. Bon, sur l'alimentation, je ne vais pas vous faire un dessin. Diminuer l'apport en graisse alimentaire, et principalement les graisses d'origine animale, permet de faire diminuer le taux de graisse circulant et donc le taux de graisse corporelle. Bon, ça, après tout, c'est logique, si vous consommez beaucoup de graisse, le taux de graisse sanguine augmente et le taux de graisse corporelle également. J'en profite pour vous renvoyer à ma vidéo sur les calories et le régime que je vous place ici. En ce qui concerne le sport, c'est un peu plus compliqué. On a montré par plusieurs études que le taux de HDL sanguin, donc le bon cholestérol, peut être augmenté grâce à la pratique sportive aérobie. La pratique sportive aérobie, ça veut dire une activité physique quelle qu'elle soit, dans laquelle l'effort n'est pas forcément puissant, mais est surtout prolongé. Si vous voulez un repère facile, vous devez pouvoir soutenir une discussion plus ou moins normalement en réalisant votre effort pour être dans la zone aérobie. Si la discussion est trop facile, bon on sait mieux que rien, mais vous ne travaillez probablement pas suffisamment fort, et si la discussion est impossible parce que vous êtes essoufflé, c'est que votre effort est trop puissant. Cet essoufflement peut parfois apparaître rapidement si votre condition physique est mauvaise, mais ça, ce n'est pas grave. Il suffit de ralentir pour revenir dans la zone aérobie, et la multiplication des entraînements vous permettra d'étendre cette zone lorsque votre condition physique s'améliorera. Enfin, méfiez-vous des différents remèdes que vous pourriez trouver sur Internet ou même en pharmacie. S'il existait des méthodes faciles, rapides et sûres pour faire diminuer votre taux de cholestérol, franchement ça se saurait. D'ailleurs, je suis en train de préparer une prochaine capsule scientifique à ce sujet. Les remèdes de grand-mère pour faire baisser son taux de cholestérol. Restez branchés sur la chaîne. Bon, finalement, les remèdes sont plutôt simples. Sport et alimentation. Alors, vous vous y mettez quand Voilà, nous avons fait le tour des graisses et du cholestérol. Alors qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Je les lis et croyez-moi bien, ça m'intéresse parce que ça me permet d'adapter mon contenu en fonction de vos retours. Donc n'attendez plus, laissez-moi un petit retour ici en dessous. J'espère que grâce à cette modeste vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur les graisses. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas essayer d'adopter un mode de vie un peu plus sain Si grâce à mon travail modeste ici, j'arrive à avoir une action sur la santé globale, en tout cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à me laisser un pouce bleu juste ici en dessous, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et bien entendu à vous abonner à la chaîne, c'est super important. N'oubliez pas non plus que je suis en direct sur Twitch tous les jeudis à 21h, n'hésitez pas à nous rejoindre, on fait une soirée discussion, jeu à plusieurs, tout ça, venez, c'est fun. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, moi je retourne à mon travail, salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale